Le nouveau pharaon a hérité du nom de son père. À 6 ans, Pépi II devient le souverain de toute l'Égypte. Mais que doit attendre d'un enfant de 6 ans un pays en pleine croissance? On a comme ça quelques exemples de pharaons ayant accédé très jeune au trône. Finalement, un enfant de 6 ans ne pouvait que suivre ce qu'on lui ordonnait de faire. Vous pouvez être sûr que même si l'on percevait sa nature comme divine, et s'il détenait en théorie le pouvoir politique suprême, juste derrière lui, il y avait une assemblée de conseillers qui s'occupaient de gérer le royaume jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de prendre le relais en tant que véritable pharaon. Le jeune garçon ne reste pas cependant sans exercer une quelconque influence. Au cours d'une expédition de Négos menée vers Aswan, on rapporte au jeune roi, alors âgé de 8 ans, qu'on a capturé un danseur pygmée pour le ramener en Égypte. Amenez-le-moi tout de suite à la cour. Rapportez-moi ce nain sain et sauf, afin qu'il réjouisse et réchauffe le cœur du roi des Hautes et Basses Égyptes. Quand vous le mettrez à bord de votre bateau, soyez certain de n'avoir engagé que le meilleur personnel qui soit. Il devra veiller sur lui et s'assurer qu'il ne tombe pas à l'eau. Si vous revenez jusqu'à la cour avec ce nain sain et sauf, ma majesté vous rendra les meilleurs honneurs qui soient. Quand bien même un pharaon n'était encore qu'un enfant, il avait droit à la plus grande déférence. On prenait acte du moindre de ses désirs en s'efforçant de le combler, puisque cet enfant incarnait déjà, et par essence, l'aspect divin du pharaon. Par conséquent, même si l'on gardait une emprise très ferme sur les décisions politiques, ses désirs s'interprétaient comme une manifestation du caractère divin de son autorité, ce qui nécessitait de rester très indulgent à son égard. Mais sous le règne de l'enfant Pépi II, l'autorité du pharaon finit à la fin de la 6e dynastie par se désintégrer. Toute une succession d'administrateurs autoproclamés, indépendants, met en place peu à peu une sorte de régime féodal. Les nobles sont devenus misérables alors que les pauvres profitent des plaisirs de la vie. L'or, l'argent et le turquoise étincellent au cou des femmes esclaves alors que les dames traversent les rues vêtues de loques. Quiconque marchait autrefois sans même une paire de sandales trône à présent sur une quantité de trésors. Le pouvoir se décentre de Memphis. À force de faire des cadeaux à ses nobles, le roi finit par épuiser ses trésors. À la mort de Pépi II en 2180 avant Jésus-Christ, le royaume d'Égypte se disloque. Pendant plus de 1000 ans, la civilisation égyptienne s'est épanouie à l'ombre des falaises de la vallée du Nil, adossée au désert. Jusqu'en 2180 avant Jésus-Christ, les Égyptiens se sont illustrés par de magnifiques réalisations dans les domaines de l'art, de la science et de la technologie. En architecture, les premières mastabas plates bâties à partir de boue séchée ont cédé la place à d'imposantes pyramides de pierre. Partie de simples reliefs muraux, l'art de l'écriture s'est élevé vers la littérature infiniment riche des textes des pyramides. Ces critères de l'ancien royaume d'Égypte déterminent précisément la base sur laquelle on continuera d'appréhender les réalisations ultérieures de cette magnifique civilisation. Les historiens suggèrent que les Égyptiens, dans ce double contexte de splendeur naturelle et de merveilles issues de leur intelligence, seraient devenus un peuple orgueilleux et suffisant. Amorcé sous le règne du très jeune pharaon Pépi II, l'effondrement du pays se poursuit jusqu'en 2184 avant Jésus-Christ. S'ensuit une période de transition qui dure 40 ans et s'étale sur 4 dynasties. On cherche toujours les véritables explications de ce déclin. Mais, hormis la trace d'un poème partiellement préservé sur papyrus, les écrits anciens restent mystérieusement muets. Thank you.
Voyez comment des choses qui n'arrivaient pas auparavant arrivent à présent. Ce sont les mendiants qui adorent le roi. Regardez ce qu'est devenu celui qu'on avait enterré comme le faucon suprême. Sa pyramide s'est vidée de ses trésors. Voyez comment quelques personnes, au mépris des traditions, ont dépossédé cette terre de sa royauté. Des documents retrouvés dans la région d'Héracliopolis révèlent qu'après avoir à nouveau divisé le pays en deux régions distinctes, une série de rois éphémères se succèdent à la tête de la Basse-Égypte. C'est désormais depuis la ville nouvelle de Thèbes que l'on régit la Haute-Égypte. Les anciens décrivent cette période d'instabilité comme une ère ayant vu défiler 70 rois en 70 jours. Un chaos qui en vérité ne durera pas moins de 200 ans.